Donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle conversation Quoz m'envoie. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, mais aussi pour ceux et celles qui nous connaissent déjà, donc nous sommes Quoz m'envoie. On est un collectif d'universitaires basé en Amérique du Nord, spécialisé dans les littératures et les cultures caribéennes. On propose des entretiens plus ou moins mensuels avec des artistes, des activistes, des écrivains contemporains de la Caraïbe, ou alors dont le travail met en lumière l'histoire et les réalités de la région. Donc aujourd'hui, ma collègue Erika Serrato, qui est professeure à UNC et moi-même, qui suis à Georgetown, accueillons Paula Anacaona, que nous remercions d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Et cet événement est sponsorisé par le département de français et d'études francophones de Georgetown, donc on les remercie également. Je vais maintenant passer la parole à Erika pour présenter notre invitée. Merci. Merci à toi, Jeanne. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Paula Anacaona est une autrice, traductrice et éditrice basée à Paris. Elle a fondé les éditions Anacaona fin 2009, par passion pour la littérature brésilienne trop méconnue, trop pour publier en France. À ce jour, Paula a traduit pour les éditions Anacaona et d'autres maisons plus de 50 livres. Elle traduit également de l'anglais pour diverses organisations internationales et elle est passée à l'écriture en 2016. D'abord avec deux romans jeunesse publiés aux éditions Adodan, Maria Bonita, une femme parmi les bandits, et Georges Amado, sur les terres du cacao. Elle est également autrice de Solitude la flamboyante, publiée en 2020, et 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, publiée en 2019, dont nous allons principalement parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Erika. Alors, Paula, pour notre première question, on aimerait en fait en savoir un petit peu plus sur votre parcours, ce qui vous a amené à écrire d'une part, et puis d'autre part à fonder Édition Anacaona. Donc, quelles étaient vos aspirations de départ et comment la collection a évolué depuis sa création? Oui, alors bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être parmi vous et de voir que mon travail traverse l'Atlantique. Donc ça, c'est toujours vraiment super agréable de voir que les histoires qu'on écrit dans son petit coin sont capables de toucher des gens à des milliers de kilomètres. Donc en fait, moi, l'écriture, c'est vraiment venu, je vais dire que c'est la troisième partie de ma carrière, entre guillemets, c'est-à-dire que ma première profession et que je fais toujours, c'est d'être traductrice. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Au départ, traductrice de l'anglais, de l'espagnol et du portugais. C'est les trois langues que je travaillais au départ et maintenant je les laisse quand même un peu de côté parce que le portugais occupe la majorité de mon temps. Mais malgré tout, je continue à les pratiquer et à les aimer. Et en fait, de traductrice, je suis ensuite passée à éditrice parce que je travaillais pour d'autres maisons d'édition. Et un jour, je suis tombée amoureuse d'un livre brésilien. J'ai traduit les premiers chapitres et j'ai proposé ce livre-là à la maison d'édition avec laquelle je travaillais régulièrement et qui m'a refusé catégoriquement ce livre en me disant que c'était absolument nul et horrible et que c'était horrible d'écrire comme ça. Enfin, vraiment, c'était un refus très violent. Et en fait, je me suis dit assez simplement, bon, bah, si elle ne veut pas le publier, je vais le publier moi-même. Donc c'est vraiment, j'ai décidé de créer ma maison d'édition sur un coup de tête, sans aucun business plan whatsoever, en connaissant le marché de l'édition de façon assez lointaine, parce qu'en fait en tant que traductrice, souvent on est quand même, on rend sa traduction et puis après on n'a un peu aucune idée de ce que devient de ce que devient le livre. Donc voilà, je me suis mis bille en tête, je lance ce livre, sans trop non plus réfléchir au refus aussi violent de cette maison d'édition, que maintenant, quand même, avec pas mal d'années, j'arrive à analyser. Donc ce livre, ça a été le premier livre que les éditions Anacaona ont publié. Ça s'appelle Manuel pratique de la haine et c'est écrit par Férez. Et Férez, c'est vraiment un écrivain très emblématique de la littérature marginale, c'est comme ça qu'on l'appelle au Brésil, literatura marginal, ou ils appellent aussi literatura periférica, littérature périphérique, qui est vraiment une littérature qui a explosé au début des années 2000 et qui est une littérature vraiment écrite par des gens de la favela sur la favela. Donc en fait, c'est un petit peu comme ils disent, noise for noise, c'est-à-dire qu'on va arrêter de laisser les gens de classe moyenne, de laisser les sociologues et les anthropologues écrire sur nous. Tout au bien, s'ils veulent écrire sur nous, pourquoi pas, mais il y a un moment aussi où il faut que ce soit nous qui écrivions nos propres histoires.
Donc moi, j'ai vraiment adoré cette littérature qui très souvent avait quand même une valeur un peu de témoignage, mais c'était quand même des gens qui étaient capables de fictionnaliser. En fait, ils n'étaient pas que dans leur vécu et dans leur expérience, c'était aussi des vrais écrivains capables voilà, d'inventer des mondes et des univers. Et surtout, en fait, même si en France, je trouve qu'on a eu un peu une littérature aussi des banlieues vers la fin des années 90, avec des auteurs comme Rachid Jaidani, par exemple, mais en fait, c'est une littérature qui a fait un peu souffler, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de mode, tout le monde voulait son écrivain rebeu, c'était souvent des rebeux, et puis ensuite, ça s'est un peu dégonflé. Alors qu'au Brésil, c'est une littérature qui dure toujours. Alors avec les années Bolsonaro, ça a été un petit peu difficile, mais en tout cas, moi j'ai vraiment vu dans beaucoup de librairies au Brésil des étagères où il y avait littérature brésilienne, littérature internationale et littérature marginale. Donc ça, je trouvais ça vraiment, vraiment génial. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma maison d'édition avec cette littérature-là. Donc ça a été le manuel pratique de la haine et ensuite les anthologies Je suis favela, je suis toujours favela, je suis encore favela. Et ensuite, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ces livres-là, non pas parce que je les aime plus, mais c'est parce qu'en fait, c'est vrai que bon, ma maison d'édition, elle est très personnalisée, c'est-à-dire je pense qu'elle me reflète beaucoup et elle reflète aussi mes évolutions intellectuelles et personnelles. Et en fait, je pense qu'au début des années 2010, j'étais très intéressée par toutes ces histoires, voilà, d'inégalités sociales et en fait. Je suis un peu bête et marxiste dans ma façon de raisonner. Voilà, la lutte des classes, la lutte des classes, je voyais tout avec ce prisme-là. Et en fait, à force aussi de rencontrer beaucoup de féministes noires brésiliennes, je me suis rendu compte que la lutte des classes, ça ne pouvait pas tout expliquer, en fait. Il y avait quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, c'est la race. Et donc c'est vrai que pour une petite Française élevée à l'école de la République, c'était un peu difficile à comprendre. Mais à partir du moment où j'ai intégré la race dans ma vision du monde, dans mon raisonnement, dans mon analyse des inégalités ou tout simplement des relations, et ben en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont expliquées tout d'un coup. Et tout d'un coup, j'ai tout compris, en quelque sorte. Donc c'est à partir de là aussi où je me suis dit que j'allais faire un peu plus attention à publier des femmes déjà, parce que en fait, cette littérature des favelas, j'avais pas trop fait gaffe, mais elle était quand même assez masculine. Donc à publier des femmes et à publier aussi des femmes noires. Donc à partir de là, j'ai traduit Conceição Evaristo, j'ai traduit trois livres d'elle. Et c'est une femme qui aujourd'hui est vraiment voilà, la plus grande écrivaine noire contemporaine au Brésil. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que elle affirme le fait d'être écrivain noir, alors qu'en France, où on a quand même quelques écrivains noirs, très souvent, ils refusent cette étiquette. Alors qu'au Brésil, en tout cas, Conceição Evaristo et beaucoup d'autrices que j'ai pu rencontrer l'assument complètement. Oui, je suis noire. Donc voilà, donc j'ai commencé à traduire Conceição Evaristo, je me suis un petit peu engagée dans cette ligne-là. Et puis après, donc c'est là où j'en viens à ma troisième casquette d'autrice. Alors déjà, je m'étais rendu compte que tout le monde me disait toujours, pourquoi les éditions Anacaona? Alors bon, déjà, les gens écorchent toujours le nom. Anaconda, Ana quoi, Ana blablabla. Bon, toujours ils écorchent le nom, mais quand ils ont compris le nom et que je leur raconte Anacaona, que je fais le pitch en trois phrases, ah, c'est une femme qui était reine en Haïti au moment de Christophe Colomb, la première résistante à la colonisation, ah, les gens à chaque fois hallucinent, ils ne connaissent pas cette femme, parce que voilà, à part vraiment les Haïtiens, personne ne connaît Anacaona, enfin, ou très rarement en tout cas. Et donc voilà. Et à chaque fois, les gens ont trouvé cette histoire dingue. Et puis, je me suis dit, alors reprenant à mon compte la phrase de Toni Morrison, même je ne sais pas si elle l'a dite, mais en tout cas, tout le monde dit qu'elle l'a dite, ou en fait, elle aurait dit, si vous voulez écrire une histoire, mais que vous ne. Non, si vous voulez lire une histoire, mais que vous ne la trouvez pas, écrivez-la vous-même. Quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, bah voilà, Anacaona, il y avait un livre sur elle. C'est une pièce de théâtre de Jean Métellus, qui justement est haïtien. Mais voilà, il y avait un livre aussi de Edwige Danta, qui est haïtienne, mais qui, je crois, habite aux États-Unis ou au Canada. Et c'est tout. Donc c'est vrai que ça faisait pas beaucoup. Et donc je me suis dit, bah, je vais écrire l'histoire de cette femme, qui est une femme, enfin c'est pas pour rien aussi que j'ai pris son nom. Donc
Beaucoup de gens me demandent si c'est mon vrai nom et si c'est mon ancestresse. J'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas mon nom d'état civil. Mais en attendant, c'est un nom que maintenant je porte depuis 15 ans et c'est un nom qui m'habite parce qu'en fait, c'est une femme qui m'habite complètement. Donc, je me suis dit, c'est aussi normal que j'écrive son histoire. Je porte son nom, pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'Anna Kaona. Pour écrire l'histoire de cette femme avec quand même un peu un sentiment d'injustice, quoi. C'est-à-dire, zut, pourquoi est-ce qu'à la même époque on connaît Jeanne d'Arc? Pourquoi est-ce qu'à la même époque on connaît évidemment Christophe Colomb? Et pourquoi, si on connaît Christophe Colomb, on devrait quand même connaître voilà, la personne qui était de l'autre côté du miroir, quoi. Donc voilà, avec quand même un petit sentiment de révolte, qui de toute façon est un sentiment qui m'habite très souvent. Et donc voilà. Donc j'ai décidé d'écrire cette histoire-là en pensant au début que j'allais avoir beaucoup de mal à trouver des sources, à trouver des informations. Et en fait, qui cherche trouve. C'est-à-dire qu'au final, j'ai trouvé pas mal de choses sur les Taïnos. Évidemment, comme souvent pour ce qui concerne les minorités ou les populations subalternisées, c'est-à-dire qu'il faut plus chercher que lorsqu'on veut écrire un livre sur Christophe Colomb. Mais on trouve. Donc, j'ai trouvé beaucoup de choses de la part un peu de chercheurs à Puerto Rico, de la part de chercheurs à Cuba, de la part de chercheurs un petit peu américains. J'ai trouvé des choses au Quai Branly. Donc, au final, en fait, j'ai réussi à trouver des vestiges de la civilisation Taïno, alors que c'est vrai qu'on la pense complètement disparue. C'est vrai qu'elle est complètement disparue, mais il reste quand même quelques traces. Donc voilà en tout cas le début de l'histoire d'Anna Kaona. Merci. Comme vous avez dit, en fait, oui, les éditions Anna Kaona rassemblent énormément de romans historiques, mais également de ses contemporains, notamment féministes, comme Pensée féministe et coloniale, ou Petit manuel antiraciste et féministe. Vous mettez également en avant le voile racisé, l'héritage de l'esclavage dans nos sociétés, dans des textes comme Mémoire de la plantation, épisode de racisme ordinaire. Aujourd'hui, nous aimerions parler en particulier des deux textes dont vous êtes l'auteur, réalisé en collaboration avec Claudia Amaral, qui a fait les illustrations. Il s'agit de deux récits historiques illustrés, donc comme on a dit, Solitude la flamboyante et Anna Kaona, l'insurgée des Caraïbes. Est-ce que vous pourriez nous faire la lecture d'un ou deux extraits tirés de ces textes, s'il vous plaît? Oui, alors si vous voulez, j'avais choisi un petit extrait dans Solitude. En plus, c'est vrai que là, j'ai fait que de parler de Anna Kaona. Donc voilà, Solitude, c'est elle. Ou en fait, c'est vrai que. Alors, autant Anna Kaona, je peux vraiment dire pourquoi j'ai décidé d'écrire son histoire. Autant Solitude, elle m'est tombée dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'écrire l'histoire de Solitude. C'est une femme, je la connaissais. J'ai retrouvé le livre des Schwarzbart qui ont écrit le premier livre sur Solitude. Et en fait, quand je lis un livre, je marque toujours la date dessus. Et j'ai vu 2004. Donc voilà, j'ai lu cette histoire-là en 2004. Et visiblement, ça m'est resté dans un coin du cerveau. Et après avoir écrit l'histoire d'Anna Kaona, assez rapidement, puisqu'en fait, le livre de Solitude est sorti un peu plus d'un an après, eh ben, j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'une autre femme, une autre femme aussi oubliée de l'histoire officielle. Et voilà, et Solitude m'est venue à l'esprit. Donc voilà. Et donc alors là, ce petit extrait donc de Solitude, qui était une femme esclavagisée et métisse, ce qui compte beaucoup, parce que dans la société coloniale, on sait que les métisses étaient un tout petit peu privilégiés. Bon, est-ce que c'était pas vraiment un privilège, mais on va dire que c'était des avantages. Et en fait, ce qui a été un point vraiment de réflexion quand j'écrivais le livre, c'est comment est-ce qu'une femme qui a un minimum d'avantages ou de privilèges décide d'abandonner ses privilèges pour partir lutter, en fait. Et donc, en fait, comme souvent, je me suis dit, bah, c'est les rencontres, en fait. Il y a des fois, on fait des rencontres qui changent la vie. C'est mon cas personnel, en fait. Il y a vraiment des rencontres qui ont changé, mais voilà, qui m'ont fait bifurquer. Et donc, je me suis dit, Solitude, je ne sais pas si elle me ressemble ou quoi, mais voilà, ça va être la rencontre avec notamment Henriette, une vieille femme esclavagisée, qui va, voilà, lui ouvrir les yeux et la faire rentrer dans la lutte. Et en fait, c'était important pour moi que cette Henriette soit une personne
justement un petit peu âgée, parce que c'est important pour moi, en fait, de montrer que, comme on dit beaucoup au Brésil, nos pas viennent de loin, en fait. Et ça, c'est une phrase à laquelle je crois beaucoup. Et d'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir le mois prochain, s'appelle justement Nos pas viennent de loin. Parce que je pense que surtout dans nos sociétés libérales, individuelles, où on est persuadé d'être là où on est parce qu'on est super forte et qu'on est la meilleure et qu'on a beaucoup bossé, ok, t'as beaucoup bossé, t'es très forte, etc. Mais il y a des femmes avant toi qui ont ouvert les portes. Et si t'es là aujourd'hui, c'est parce que ces femmes ont ouvert les portes avant toi. Donc, au Brésil, c'est vraiment quelque chose sur lequel elles insistent beaucoup. Je trouve en France un petit peu moins. On est un peu moins sur ce collectif-là. Et donc Henriette, elle fait partie de ses ancêtres qui montrent que les pas viennent de loin. Donc voilà, solitude. Là, c'est une petite scène entre solitude et Henriette. Être aux côtés d'Henriette illuminait mes journées. Pendant que Signazina et son séducteur se retrouvaient, je m'enfonçais avec elle dans la forêt aux sources miraculeuses, aux cascades fantastiques, d'un vert éblouissant. Au milieu des gommiers rouges et blancs, j'apprenais aussi la science des herbes, des racines, des nuages, de la pluie, des eaux, de la lune. La nature soulage tous les maux, ma fille, m'expliquait la vieille. Le nom de cette île, avant que les maîtres s'y installent et la renomment comme ils renomment tout autour d'eux, c'était Carouquera, l'île aux belles eaux. C'est pas pour rien. Toutes ces eaux sont filles de la grande dame là-haut, la soufrière. Elle fait semblant de dormir, mais elle me berne pas, moi. Je sais qu'elle est vivante. Elle tousse et elle fume comme une grand-mère avec sa pipe. Henriette voyait tout, les animaux, les insectes, les plantes, la terre. Ils vivaient et ils souffraient, eux aussi. La canne à sucre nous tuait et les tuait. Henriette leur offrait quelques offrandes au creux d'un arbre, au croisement d'un chemin, et demandait pardon, au nom de l'humanité. Henriette ne savait pas lire, pas écrire, pas compter, mais elle connaissait tout de la vie. La vieille Henriette sait pas lire un livre, mais elle sait lire les gens. Il y a encore quelques mois, je n'imaginais pas mon existence hors de l'habitation. J'y étais née et j'y mourrais, pensais-je. À vrai dire, le problème était justement que je n'y avais jamais pensé. J'avais intégré ma soumission sans réfléchir. Mais aujourd'hui, tout m'oppressait. Les murs de Belle Source m'emprisonnaient, j'étouffais. Peu à peu, je fus gagnée par une certitude. Je devais fuir. Quitter l'habitation, car l'habitation me tuait. Merci beaucoup, Paula, pour cette lecture. On va d'ailleurs revenir au personnage d'Henriette tout à l'heure pour parler justement un petit peu de cette transmission d'un héritage et de l'apprentissage aussi de solitude dans le texte. Là, simplement pour revenir un petit peu à ce que tu disais avec cette importance progressive que tu as donnée au féminin, aux héroïnes et surtout aux figures de la résistance qui sont encore trop souvent méconnues, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur justement cette importance de donner la voix à ces figures-là, de raconter l'histoire au féminin, et finalement, quel est le rôle de l'illustration, des illustrations, dans la mise en récit de ces personnages féminins, puisqu'on retrouve dans Anacaona et dans Solitude, à chaque fois justement, non seulement la voix, mais aussi cette tentative de leur donner un corps, de les représenter par l'illustration. Ouais, alors c'est vrai que en fait cette idée peut-être aussi de raconter l'histoire de Solitude ou l'histoire d'Anacaona, elle m'est venue aussi de Jari Darraes, qui est une écrivaine brésilienne que j'ai publiée, où en fait j'ai publié son petit livre en 2018 qui s'appelle Dandara et les esclaves libres. Et en fait c'est un petit livre facile à lire et en ayant beaucoup discuté avec Jari, etc. Et maintenant où je la connais bien. Elle me parlait très simplement en fait de son envie de faire découvrir des nouvelles héroïnes, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et de cette envie en fait de réécrire l'histoire avec un prisme féminin et avec un prisme racisé. Parce que l'histoire de Dandara, c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que Dandara était la femme de Zumbi, qui était donc le chef d'un camp d'esclaves fugitifs, d'un ce qu'on appelle un quilombo au Brésil. Et en fait, Zumbi bon, a été complètement oublié pendant des années. Ensuite, à partir des années 70, le mouvement noir l'a un petit peu érigé en grand symbole et grande figure du mouvement noir, de la lutte contre l'esclavage, etc. Et donc, Zumbi, ouf, ça y est, on a un héros noir. Et en fait, sa femme, Dandara, complètement aux oubliettes. Donc, en fait, voilà, ça montre bien que
Même quand on veut mettre en avant des héros de notre histoire, des héros de la lutte contre l'esclavage, eh ben en fait, ça va être les héros masculins qui viennent souvent sur le devant de la scène. Donc en fait, c'est vrai que les femmes, elles sont vraiment doublement oubliées. Et donc voilà, c'était ça, pour ça qu'elle avait décidé d'écrire Dandara en disant si vous connaissez Zombie, vous devez connaître forcément Dandara. Donc voilà, c'était cette envie en fait de. Oui, qu'on découvre nos héroïnes. Moi, j'adore l'histoire, mais en fait, des fois, je me dis, est-ce que inconsciemment, quand j'étais adolescente et que je lisais tous ces livres d'histoire, est-ce que, je sais pas, ça me faisait pas du mal de voir à chaque fois ces héros et ces héroïnes qui jamais, jamais, non seulement ne me ressemblaient, mais en plus me laissaient sous-entendre que mon peuple était rien en fait et que mon peuple soit n'avait pas d'histoire, soit n'avait pas lutté. Donc en fait, c'est pour ça que surtout la France, quand on voit, quand il y a les journées du patrimoine, c'est toujours des grands succès. Les Français adorent l'histoire, ils vont visiter tous les châteaux de la Renaissance et je ne sais quoi. Et en fait, bah nous, on est complètement invisibles. Donc je me dis, soit les populations racisées lors de ces journées du patrimoine, eh bah, elles ne font pas partie de ce patrimoine. Et après, les populations blanches, lors des journées du patrimoine, eh ben, elles sont doublement convaincues que la culture, l'histoire, la civilisation, c'est eux, en fait. Et donc voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut changer un petit peu ça. Et avec une idée, voilà, un petit peu simple, c'est-à-dire que si nous, les femmes noires, on n'écrit pas l'histoire des femmes noires, qui va l'écrire, quoi? Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis dit. Voilà, écrivons-la. D'autres l'ont fait aussi, mais plus on sera nombreuses à écrire ces histoires-là, mieux ce sera. Et vraiment, je l'ai écrit à chaque fois, quand j'imagine les gens qui lisent mes livres, c'est toujours, j'imagine toujours des femmes noires, donc, alors qu'il doit y avoir des hommes qui me lisent, mais c'est vrai que la lectrice principale pour laquelle j'écris, c'est vraiment la femme. Mais en même temps, je suis toujours ravie quand j'ai des personnes blanches qui achètent mes livres, parce que c'est leur histoire aussi, en fait. Et cette espèce de fausse innocence, d'ignorance, ah mais je savais pas, en fait. Bon, aujourd'hui avec Internet et tout, je trouve que ça devient compliqué qu'ils continuent à dire je savais pas. Et en tout cas, quand ils me disent je savais pas, moi je leur mets le livre dans les mains et je leur dis bah, maintenant vous saurez. Donc voilà, c'est un livre qui s'adresse aux personnes blanches et aux personnes noires, parce que les deux doivent se réapproprier cette histoire. D'un côté, les personnes noires doivent voir que leur histoire est digne, en fait, et les personnes blanches doivent arrêter de croire que cette histoire-là ne les concerne pas. C'est vraiment ça. Et est-ce que tu peux nous dire simplement quelques mots sur justement le choix de l'illustration aussi, le choix Ah d'un oui. livre illustré, aussi bien pour Anacaona que pour Solitude? Ouais. Alors c'est vrai que en fait j'ai toujours été un petit peu jalouse des livres pour enfants, c'est-à-dire que les enfants ils ont des albums super illustrés, magnifiques sur du beau papier, etc. Et puis à partir de 10-12 ans, clac clac, on arrête tout et c'est un livre en noir et blanc avec écrit tout petit. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas illustrer. Et puis c'est vrai qu'avec Anna Kaona, le choix vraiment s'est tout de suite porté parce que comme c'était quand même déjà une civilisation qui n'avait pas d'écriture, une civilisation qui était très portée sur l'esthétique et en fait sur un mode de vie de manière générale qui était très poétique, je trouve, et ben j'ai trouvé que mettre des illustrations, ça pouvait aussi justement insister sur, enfin mettre de la poésie. Et puis aussi peut-être. Mettre de la poésie dans une histoire qui ne l'est quand même pas du tout. Mettre un peu de beauté dans une histoire qui est quand même abominable, en fait. Donc voilà, donc il y avait plein de raisons qui me poussaient à faire ces dessins et à faire ces dessins. Et avec Claudia, ça a été vraiment une super collaboration. Alors Claudia, elle est brésilienne. Donc c'est vrai qu'elle ne connaissait pas les Taïno, mais en revanche, elle connaissait bien les autochtones du Brésil. Donc c'est vrai qu'elle s'est quand même un petit peu inspirée d'eux. Mais je sais qu'elle a fait beaucoup de recherches, que justement, elle est beaucoup allée au Quai Branly, etc., pour essayer voilà, de reproduire certains, par exemple, tous les artefacts, tous les objets Taïno qu'on voit dans le livre, ce sont vraiment des objets qui ont existé. En plus, j'avais réussi à trouver un vieux catalogue d'une exposition sur les Taïno qui avait eu dans les années 90. Et donc, elle s'est vraiment inspirée
de ses objets pour les dessiner. Les tatouages, elle s'est aussi inspirée un petit peu des récits de voyageurs. Donc, elle a essayé de faire quelque chose d'assez réaliste, tout en laissant aussi, comme moi, bon, parfois l'imagination, voilà, faire son travail. Mais c'était une collaboration assez marrante, c'est-à-dire que je lui envoyais mon texte, elle faisait les dessins, et parfois je voyais son dessin et je changeais mon texte. Donc, ouais, il y a eu des fois des petits jeux comme ça. Donc voilà, donc c'était vraiment chouette. Donc ensuite, pour Solitude, voilà, je lui ai demandé de refaire des dessins. Et après, c'est vrai que là, le livre que je suis en train d'écrire, enfin, que je suis en train de terminer, où il va y avoir des dessins, il y en aura un petit peu moins. Et là, j'ai demandé à une autre illustratrice de les faire pour, voilà, changer aussi un petit peu le style. Donc voilà. Mais j'aime bien ce format-là. Et je pense aussi que c'est un format qui fait moins peur. Et comme mon objectif, un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est de vulgariser cette histoire le plus possible, que des gens à partir de 15, 17 ans puissent le lire. Je trouve que le fait qu'il y ait des photos, que ce soit un grand livre, ça fait moins peur qu'un livre de 400 pages, austère, etc. Donc ma démarche, c'est vraiment vulgarisation et accessibilité. Et dans un monde où on est tous sur Internet, sur nos téléphones, etc., il me semble que l'image, c'est un truc assez accessible. Ouais, merci. Donc, est-ce que vous pouvez également nous dire quelques mots sur ces deux femmes, donc les vrais personnages historiques, Anacaona et Solitude, qui elles ont été, ce qu'elles représentent dans la lutte contre l'esclavage et pour la libération des femmes esclavisées en particulier? Pourriez-vous également, donc c'est une question assez longue en fait, pourriez-vous également nous dire d'où vient le nom de Solitude, que vous avez d'abord surnommé Aimée? On a remarqué que la voix d'Anacaona est présente d'une manière très remarquable aussi dans le roman de Solitude. Donc, on est curieuse, très curieuse de savoir comment vous voyez le lien entre ces deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées, mais que vous réunissez de cette manière si spéciale. Moi, je pense qu'elles se sont rencontrées. Mais bon, alors je vais commencer par le début. Donc, alors, brièvement, donc, sur Anacaona et Solitude. Donc, Anacaona, comme je l'ai dit, elle était reine en Haïti au moment où Christophe Colomb est arrivé. Puisque donc, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, comme beaucoup de gens pensent. Il est d'abord arrivé dans les Caraïbes. Et Haïti était une île qui était divisée en cinq cacicas. Et Anacaona était reine avec son mari d'un des cacicas les plus puissants et les plus riches, les plus prospères. Et en fait, ce que je trouve assez surprenant, parce que j'ai lu les 1500 pages du journal de Christophe Colomb, hein, je me les suis farcies, oui, et en fait, il mentionne Anacaona seulement trois fois. Et en fait, c'est là où on peut vraiment s'interroger sur la neutralité, entre guillemets, des archives, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un homme qui arrive pour conquérir une terre, etc., rencontre la reine du royaume le plus puissant et ne la mentionne que trois fois? En fait, je me dis, c'est pas possible, parce qu'il était forcément en contact au moins hebdomadaire avec cette femme, ne serait-ce que pour payer le fameux tribut qu'ils avaient imposé aux autochtones, pour négocier je ne sais quoi. Enfin, il était forcément en contact avec cette femme. Mais malgré tout, en fait, il décide de ne pas la nommer. Parce qu'en fait, on sait tous que les archives, elles n'existent pas pour rien, en fait. Christophe Colomb, son journal, il l'écrivait pour le roi et la reine d'Espagne, pour avoir des financements, il l'écrivait pour les commerçants. Donc son objectif, c'était aussi de montrer que cette conquête allait être très facile, que tout allait bien se passer, que le pays était très riche, puisqu'il était donc obsédé par l'or et au début, il n'en trouvait pas. Donc en fait, forcément, dans son journal, il disait ce qu'il avait envie de dire. Et donc, est-ce qu'il avait intérêt de dire qu'il y avait un peuple qui était très organisé, avec une armée, avec une reine? Pas forcément. Donc c'est aussi pour ça qu'il les présente de façon un petit peu ambiguë, plus ou moins comme des sauvages. Mais voilà, en fait, il les présente de façon non organisée. Et donc voilà, Anacaona, elle était reine. Et en fait, au début, elle a accueilli Christophe Colomb, voilà, comme un étranger en visite. Et peu à peu, en voyant ce qui était en train de se mettre en place, elle va prendre la tête de la résistance. Donc en fait, a priori, elle aurait commencé à vraiment lutter de façon armée contre les Espagnols en 1495. Donc ça veut dire, voilà, il y aurait eu une petite période de 2-3 ans où elle aurait un peu peut-être essayé de voir comment la cohabitation se passait. Et puis en voyant qu'il n'y avait
rien de possible avec les Espagnols. Elle a pris la tête de la lutte et ensuite elle est morte en 1502. Donc en fait, il y a eu une période comme ça de 7 ans où elle aurait lutté contre les Espagnols. Et ensuite, en 1502, elle a été capturée par traîtrise. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et pendue sur la place publique. Voilà l'histoire d'Anacaona. Et après, l'histoire de Solitude, elle, c'est une femme aussi dont on a peu de traces, mais on sait qu'en 1794, quand il y a eu la première abolition de l'esclavage, voilà, elle aurait participé à cette première abolition. Et surtout, on la retrouve en 1802, au moment où Napoléon va rétablir l'esclavage. Et là, on la retrouve de façon certaine avec Delgrès. Delgrès, pareil, c'est un homme, on a des traces de lui. Solitude, on en a moins. Et en fait, là aussi, c'est la chose la plus sûre qu'on sait d'elle. En fait, c'est pas trop sa vie, mais c'est sa mort, où elle meurt en 1802, pendue là aussi, sur la place publique. Alors déjà, il y a quand même une ressemblance dans les dates, c'est-à-dire qu'Anacaona meurt en 1502 et Solitude meurt en 1802. Elles meurent toutes les deux de la même façon, pendues. Elles meurent toutes les deux pour les mêmes raisons, c'est-à-dire, voilà, elles se rebellaient contre cette colonisation, contre cet esclavage qui était mis en place. Et en fait, pour moi, il y a vraiment une relation entre les deux, même si c'est vrai qu'Anacaona est autochtone et Solitude est d'origine africaine, puisque sa mère, visiblement, était vraiment une Africaine d'Afrique violée sur le bateau. Donc c'est voilà, c'est pas une personne esclavagisée qui était là depuis plusieurs générations en Guadeloupe. Mais parce qu'en fait, pour moi, Anacaona, c'est notre matriarche, c'est la matriarche de toutes les femmes des Caraïbes, quoi. Ça a été la première. Ça a été la première. Donc elle a forcément inspiré d'une manière ou d'une autre Solitude, ou inspiré Queen Nanny en Jamaïque, ou inspiré toutes les autres femmes qui se sont ouais, rebellées dans les Caraïbes. Donc pour moi, la relation entre les deux est vraiment évidente. Et parce que j'aime bien ces histoires de femmes qui nous habitent, en fait. Déjà parce que je trouve que ça rend leur mort moins injuste, en fait. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose même qui m'habite moi aujourd'hui en 2023, en fait. C'est-à-dire que je me dis, Anacaona, elle est morte jeune, pendue. Mais sa mort n'est pas complètement vaine parce que moi, aujourd'hui, en 2023, elle continue à m'inspirer. J'écris son histoire. Elle peut être un exemple pour d'autres personnes. Donc, c'est pour ça aussi que je crois en la valeur de ces histoires, c'est que la mort est moins injuste. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de Grada Quilomba dans Mémoire de la Plantation, où elle a une phrase que j'adore qui dit: Tant que nos morts ne seront pas bien enterrés, ils continueront de nous hanter. Et en fait, j'y crois dur comme fer à cette phrase-là. Et je trouve que écrire l'histoire d'Anacaona, écrire l'histoire de Solitude, c'est une façon de bien enterrer ces femmes-là. Et c'est une façon, alors, qu'elles continuent à nous hanter, mais on va dire de façon plus positive. Donc voilà. Et après, pourquoi j'ai surnommé Solitude Aimée? Alors en fait, c'est parce que ça aussi, ça a été vraiment sur ça que je me suis concentrée au début de mon écriture. C'est que je me suis dit, Solitude, c'est pas possible, c'est pas son nom, en fait. Parce que, voilà, ayant quand même beaucoup lu sur cette période esclavagiste, etc., je sais que les maîtres nommaient les esclaves de saints chrétiens. En plus, on était dans une civilisation hyper chrétienne. Alors, soit on donnait des prénoms chrétiens qu'on aimait bien, soit ils se prenaient pas la tête et regardaient, aujourd'hui, on est Sainte Véronique, on va t'appeler Sainte Véronique. Donc, c'était le jour de la Saint du calendrier. Mais voilà, c'était toujours le prénom d'un saint ou d'une sainte. Et il n'y a pas de sainte solitude. Donc, ça veut bien dire que solitude est un surnom. Et après, je me dis, waouh, surnommer quelqu'un solitude, là, il y a quelque chose à travailler, en fait. Il y a une tristesse dans ce nom, il y a une solitude, il y a un isolement. On n'appelle pas solitude par hasard, on s'appelle pas solitude par hasard. Enfin, je veux dire, moi, si un jour on me donne un surnom, on m'appellera pas solitude. Donc, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un angle à travailler là. Et donc, moi, ce que j'ai imaginé, mais c'est mon point de vue, hein, c'est qu'en fait, sa solitude venait de sa condition de métisse. En fait, qu'elle ne savait pas sur quel pied danser, qu'elle était entre les deux. Donc voilà, pour moi, c'était la solitude de la condition métisse. Et alors, pourquoi j'ai décidé de l'appeler Aimée? Parce qu'en fait, dans le roman des Schwarzbart, où eux aussi avaient bien compris que solitude était un surnom, en fait, eux, ils l'ont appelée Rosalie.
Et en fait, c'est assez marrant parce que quand on va sur la page Wikipédia de Solitude, etc., les gens disent Solitude de son vrai nom Rosalie, blablabla, blablabla. Et à part si les Schwarzbart ont eu accès à une source que je n'ai pas, personne ne sait le vrai nom de Solitude, en fait. Et je pense qu'ils ont inventé ce nom de Rosalie. Et donc, je me suis dit, bon, eux ont inventé Rosalie, pourquoi pas, très bien. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'écris mon roman indépendamment du roman des Schwarzbart, donc je vais inventer un prénom. Et donc, comme j'adore Aimé Césaire, et puis, il y a toute une petite histoire, puisqu'elle est née le jour où son maître et sa maîtresse se marient, j'ai trouvé que ça allait bien et j'ai décidé de l'appeler Aimé comme ça. Mais donc, voilà, là, j'avoue que c'est vraiment mon invention, que quelqu'un. Si l'année prochaine, quelqu'un écrit un roman sur Solitude et l'appelle Marie, je pense vraiment que, en tout cas, de ce que je connais de l'historiographie actuelle, on n'a pas son vrai. En fait, on n'a pas son acte de naissance. Donc voilà l'histoire d'Aimée slash Rosalie slash Solitude. Merci beaucoup. Alors, on aimerait maintenant parler davantage de chaque œuvre, mais individuellement, en commençant par Anna Kaona. Et notamment dans Anna Kaona, on a vraiment l'impression que vous racontez le début de ce que sera, finalement, on le sait maintenant, une longue histoire d'exploitation et de désastres écologiques, démographiques aux Antilles, surtout quand vous évoquez l'échange colombien. Et vous dites en particulier dans le texte, et je cite donc Anna Kaona, l'ordre biologique naturel est totalement perturbé. Les graines du désastre biologique sont plantées. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage justement sur l'idée de mettre en exergue ce profond bouleversement et de raconter vraiment la genèse de ce désastre écologique, démographique qu'on connaît encore aujourd'hui, dont on voit encore finalement l'impact dans les Antilles et dans la Caraïbe plus largement. Ouais. Alors c'est vrai que, bah, en fait, je voulais vraiment montrer, et c'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle 1492 Anna Kaona, l'insurgée des Caraïbes, c'est que de façon générale, à tous les points de vue, 1492, pour moi, c'est vraiment le tournant de l'histoire de l'humanité, en fait, hein. C'est vraiment à partir de là que les continents qui vivaient un peu chacun de leur côté, etc., ont commencé à commercer. Et que, enfin, pour moi, c'est vraiment, enfin, pour moi et pour beaucoup d'historiens, etc., c'est vraiment le début du monde moderne. Et donc, le début du monde moderne avec aussi cette espèce de répartition agricole, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui va produire la canne à sucre, l'autre qui va produire le café, l'Afrique qui va fournir les travailleurs, la France qui va fournir la porcelaine de Limoges et les tissus pour habiller les nobles. Enfin, il y a eu une espèce comme ça de répartition des tâches, de répartition des produits, complètement antinaturelle. Puisque du coup, voilà, on se met à importer des tissus qui viennent du bout du monde, à importer des produits alimentaires qui viennent du bout du monde, enfin bref. Et c'est vrai que ça a changé, voilà, complètement la face du monde, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on oublie qu'avant, voilà, les années 1500, en fait, en Europe, il n'y avait pas de sucre. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que le sucre, c'est quelque chose de complètement naturel, que la pâtisserie française, ça a toujours existé, etc. Mais non, avant, les années 1500, les gens sucraient avec du miel, ils sucraient avec des fruits, mais il n'y avait pas de sucre. Les gens ne buvaient pas de café, de chocolat, etc. le matin. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé même les habitudes de tout le monde. Mais en fait, tout ça, ça a un coût, en fait. C'est que et je pense que ça résonne bien aujourd'hui, c'est qu'on voit que on peut pas transformer la nature impunément. Et en fait, malheureusement, le plaisir des uns se fait souvent sur la souffrance ou sur le coût écologique des autres. En fait, on le voit aujourd'hui avec voilà, la viande, enfin tous les gens qui. Bon, je suis végane. Non, mais la viande que les Européens mangent et qui se fait sur le dos de l'Amazonie brésilienne parce qu'on déforeste l'Amazonie pour manger, pour planter du soja, pour nourrir les vaches européennes, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que. On peut, enfin, tout a un coût. Et donc, cette modernité européenne a eu un coût, bon, démesuré pour l'Afrique et démesuré pour le continent américain en termes humains.
les deux continents ont été pillés de leurs hommes et de leurs femmes, et un coût aussi écologique. Donc c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. En fait, on peut revenir en fait à la communauté d'une manière un peu différente. Donc, cette communauté fondée par solitude, ouais. Une communauté qui repose vraiment sur la sororité, le soin et l'autosuffisance, la grande famille de Bi. Vous écrivez, je cite, Bi, communauté de femmes autonomes n'ayant pas besoin des hommes. Bi, communauté tolérante et inclusive. Bi, communauté d'entraide. Bi, communauté qui avait repensé les hiérarchies traditionnelles. Comment cette communauté peut-elle servir d'inspiration anticoloniale et même décoloniale et écologiste pour repenser à notre présent? Finalement, quelle est la promesse de la communauté de Bi dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui? Ouais, alors en fait, c'est vrai que alors déjà, en taïno, ça veut dire vivre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'appeler cette communauté Bi. Et après, c'est parce que je crois que, alors déjà, en fait, alors qu'au Brésil, on étudie beaucoup les liens des populations esclavagisées et surtout celles qui marronnaient avec les populations autochtones. Mais j'ai remarqué qu'en fait, dans les Caraïbes, enfin, ou en tout cas, j'ai pas trop vu qu'on oublie souvent un petit peu les relations que ces populations ont pu avoir. Alors qu'en fait, je pense que assez naturellement, en fait, les exclus se regroupent entre eux. Et je pense qu'il y a eu forcément des relations entre les populations noires et les populations autochtones. Donc c'est vrai qu'en fait, cette relation de la communauté de Bi avec la nature. C'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé dans Anacaona, en fait. C'est voilà cette espèce de respect, etc. Donc ce sont d'ailleurs ces populations autochtones et ces femmes autochtones qui vont enseigner à Solitude ce qu'elle n'avait pas, puisque elle, petite gamine élevée dans la plantation, elle avait un petit peu perdu ce lien avec la nature. Et en rencontrant ces femmes-là, elle va peu à peu se reconnecter avec la nature. Et après, c'est vrai que. Après, j'assume qui je suis et moi, voilà, je suis une femme écologiste, etc. Donc, en fait, quand j'ai imaginé ma solitude, je l'ai aussi imaginée un petit peu comme ça. Mais je pense, alors, elle ne l'était peut-être pas, mais je pense en tout cas que c'est plausible. Et que je pense que dès ces années-là, il y avait des gens qui se rendaient compte que ce qu'on faisait à la nature était pas durable, enfin, sur le long terme, en fait. Donc, je pense que c'est pas quelque chose. L'écologie est pas née dans les années 1970. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui, de tout temps, ont été écologiques. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi solitude, ne pourrait pas l'être? Mais c'est vrai que ça aussi, bon, on n'en a aucune preuve. Mais ça pourrait paraître assez logique parce qu'en fait, à partir du moment où on s'élève contre l'esclavagisme, on va s'élever contre le capitalisme agricole, on va s'élever contre la monoculture, et en fait, il me semble que c'est assez lié tout ça, en fait. C'est parce qu'il y a eu monoculture de la canne à sucre qu'il y a eu esclavage, etc., etc. Donc pour moi, c'était assez logique qu'à partir du moment où elle voulait couper les liens avec l'Inde, elle coupait les liens avec tout ce que ça représentait. Merci beaucoup. Alors, on va pas tarder à se tourner vers notre public pour voir s'il y a des questions de ce côté-là. Mais en attendant, juste une dernière question, peut-être justement dans la continuité de ce que tu disais sur cette prise de conscience, cette conscientisation progressive de solitude. La question là qu'on aurait concerne vraiment sa rencontre avec cet aîné, le personnage d'Henriette dont tu parlais au début de la conversation. Et finalement, est-ce qu'au travers de cette rencontre, il serait question peut-être de mettre en lumière une sorte de pédagogie décoloniale et puis surtout peut-être aussi de mettre en lumière les outils d'une éducation anticoloniale, d'une éducation antiraciste et une éducation solidaire aussi. Donc c'est vraiment de peut-être nous dire vraiment ce que cette relation Henriette-solitude symbolise dans ce processus de conscientisation. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, comme je disais un petit peu tout à l'heure, je pense que la conscientisation passe par les rencontres. Donc aussi, d'où l'importance
d'être généreuse et de justement de transmettre l'information. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que les rencontres peuvent se faire. C'est pas en restant enfermé chez soi, etc., que ces histoires-là vont pouvoir se diffuser. Et je crois, en fait, comme le dit un peu Henriette dans le passage que j'ai dit, c'est-à-dire que Henriette, elle sait pas lire, mais elle connaît toute la vie, en fait. Et ça, je pense que ça peut être vraiment un outil très décolonial, ou voilà, t'es pas obligé de lire Marx, t'es pas obligé de lire Maria Lugones ou je ne sais qui, pour au final avoir une mentalité et avoir un comportement féministe, écoféministe, décolonial, etc. Donc c'est peut-être aussi arrêter de mettre la parole écrite et la science, bon, même si là je parle que à des universitaires, mais bon, c'est pas la seule source de connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je reproche à l'Occident de manière générale, c'est de n'envisager la connaissance que lorsque c'est écrit, étudié, etc., etc. Je pense qu'on peut avoir une connaissance empirique, parfois même en fait une connaissance charnelle en fait. Surtout, enfin pour les populations, il me semble, voilà, en tout cas descendantes d'esclaves, etc. Je vois bien à quel point l'histoire les touche. C'est qu'en fait il y a quelque chose, c'est en nous, c'est génétique, ou il y a quelque chose qui fait que voilà, on sent ce que notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, notre arrière-arrière-grand-mère a senti. Donc, et je pense que ce sentiment, il faut pas le mépriser. Et il faut pas dire c'est trop subjectif, t'es trop dans l'émotion, etc. Pourquoi est-ce que l'émotion, au final, pourrait pas être source de connaissances, quoi? Donc voilà, Henriette, c'est ça qu'elle représente, en plus de, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire de reconnaître que les choses se font petit à petit, en fait, et que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça a pas été gagné en un claquement de doigts. C'est vraiment une construction qui s'est faite, qui s'est faite petit à petit. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ne serait-ce que les gens des années 70, en fait. Quand je vois la situation dans les années 70 et notre situation aujourd'hui, je me dis, waouh, il y a seulement eu une génération entre nous. Et malgré tout, enfin voilà, on progresse comme ça petit à petit. Donc c'est ça qui fait que je suis quand même une personne optimiste. C'est que je me dis, on est quand même globalement dans une amélioration, en fait. Même si des fois, il y a des step back, on est un petit peu tiré en arrière. Mais voilà, globalement, je crois en cette amélioration. Donc voilà, Henriette, c'est cette figure-là. Merci beaucoup, Paula, pour ton enthousiasme et ton optimisme et ton communicatif. On va simplement là se tourner peut-être vers les personnes qui sont là avec nous. Est-ce qu'il y aurait des questions de votre part? Sinon, nous, on peut aussi continuer, mais simplement pour vous donner la possibilité de poser vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à soit les mettre dans le chat ou bien à prendre la parole. En attendant, s'il n'y en a pas, je vais partager simplement une image avec tout le monde qui est, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais c'est cette image de la statue de Solitude qui se trouve dans le 17e arrondissement et qui est vraiment très encloisonnée. Donc il y a cette petite barrière tout autour, elle est très difficile d'accès. Et moi, la localisation géographique de cette statue m'a un petit peu interpellée. Et puis également aussi sa difficulté d'accès. Donc elle est vraiment à un carrefour, il y a de la circulation dans tous les sens. Et là, bam, la statue de Solitude, qui a été, je crois, érigée en 2020. Et Paula, simplement, bon, après, c'est presque une question opinion, mais qu'est-ce que tu penses de justement la localisation de cette statue qui se trouve dans le 17e arrondissement, qui est encore une fois vraiment entouré d'une grille, qu'il faut d'ailleurs, il faut passer par-dessus la grille pour atteindre la statue si on veut s'en rapprocher. Est-ce que vraiment là, il s'agit d'une démarche de visibilisation des voix de femmes dans la résistance contre l'esclavage, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Après, encore une fois, si on veut être optimiste, on peut aussi se dire, bon, bah, au moins, la statue est là, mais finalement, qu'est-ce que cet endroit, qu'est-ce que sa localisation nous suggère? Et est-ce que pour toi, il s'agit vraiment d'une démarche de visibilisation de cette histoire, de ce personnage? Ouais. Alors c'est vrai que
Alors, quand la première chose qui m'a effectivement choquée, c'est le fait qu'il y a cette petite grille, comme tu l'as montré, et qu'en fait, si on veut s'approcher de la statue, faire une petite photo avec elle, etc., en gros, on est obligé de se mettre hors la loi, de sauter par-dessus la grille, et on court le risque de se faire siffler par un gardien des parcs, qui nous dit, vous n'avez pas le droit de marcher sur la pelouse. Bon. Mais sinon, à part ça, moi, en fait, la chose qui m'a surprise, alors, j'ai pas suivi les débats à la mairie de Paris, je ne sais pas depuis combien de temps elle était prévue ou quoi. Mais quand j'ai su qu'elle était dans le 17e, je me suis dit, tiens, c'est curieux, ils ont mis cette statue chez les Bourges, entre guillemets. Alors qu'en général, quand ils font une station de métro Rosa Park et une passerelle Senghor, c'est toujours dans les quartiers populaires, n'est-ce pas? Puisque ces histoires-là ne concernent que les gens populaires. Donc en fait, moi, j'étais plutôt. Je me suis dit, tiens, chouette, devant le cabinet de dentiste, d'ophtalmo, super chic du 17e, il y a une statue, bah peut-être que les Bourges vont se demander qui c'est celle-là. Et c'est vraiment vrai parce que quand j'y suis allée me prendre en photo devant, où il y avait aussi justement quelques familles, je pense, guadeloupéennes ou martiniquaises qui étaient là, qui se faisaient des photos. Et en fait, je voyais les gens du quartier qui se disaient, mais c'est bizarre, ces gens qui se prennent en photo devant cette statue. Enfin, on voyait bien que ça les interpellait un petit peu. Donc je me dis, bah voilà, peut-être que ils auront été voir un jour la plaque. Enfin bon, je pense que en ça, ils ont un peu décloisonné solitude des quartiers populaires, où ils l'ont pas mis dans le grand quartier antillais ou je ne sais quoi de Paris. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Après, c'est vrai que le fait qu'il l'ait faite avec ce gros ventre, et c'est d'ailleurs aussi la couverture du livre, ça en fait c'est toute une histoire, mais en même temps c'est en fait la mythologie de solitude. C'est-à-dire que c'est vrai que solitude a été arrêtée, et en fait elle a été arrêtée enceinte, et surtout elle a été pendue le lendemain de son accouchement. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce truc-là qui l'a rendue mythique, parce que c'est vraiment la preuve du cynisme des gens de cette époque-là, c'était que ils n'allaient pas tuer une mère enceinte parce que son bébé était une richesse potentielle. Donc ils ont attendu qu'elle accouche pour prendre son bébé futur esclave et elle l'a tué. Mais en fait, quand on regarde bien l'histoire, où en fait Solitude aurait été arrêtée en mai 1802 avec Louis d'Elgrès, et en fait, si vous comptez, ça veut dire qu'en mai, elle était enceinte de 3 mois. Et en fait, même si toutes les femmes sont différentes, on a toutes des corps différents, etc. Mais bon, quand même, enceinte de 3 mois, elle ne pouvait pas avoir le gros ventre qu'elle a, comme on la montre à chaque fois. Mais en fait, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est devenu un peu ce symbole de la maternité. Et elle est toujours représentée avec ce gros ventre, alors que je pense que, voilà, quand elle a lutté vraiment avec Delgrès à Matouba, etc., je pense qu'elle n'avait pas ce gros ventre. Mais des fois, les mythes sont comme ça, et on peut difficilement les raisonner, en fait. Quand vous expliquez aux gens, non, mais c'est pas possible, elle pouvait pas avoir un gros ventre, les gens continuent à la représenter comme ça. Donc bon, en même temps, voilà, elle est devenue un peu le symbole de la maternité. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au Brésil, on a une orisha, donc une divinité d'origine africaine qui s'appelle Iemanjá, et qui est aussi très importante au Brésil et qui est le symbole de la maternité. Et je me dis, c'est peut-être marrant aussi que, aussi bien au Brésil qu'en Guadeloupe, eh ben en fait, on a cette espèce de divinité africaine en fait qui est restée. Au Brésil, elle est sous les traits de Iemanjá. Et justement, est-ce que Solitude, ça pourrait pas être une réincarnation d'Iemanjá? Et d'ailleurs, à la fin, je le dis dans le livre, où justement, quand elle marche pour aller sur... Quand elle est arrêtée et emprisonnée, les gens murmurent, ah, oh, c'est Yémanja, c'est Yémanja. Je trouve que la coïncidence est assez curieuse, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on a plein. sinon, en fait, justement, en parlant des symboles nationaux, en fait, et de comment ils changent, on a été très interpellés, Jennifer et moi, par la représentation de Solitude sur les traits de la Marianne. Elle porte une ceinture aux couleurs de drapeau français, les bonnets phrygiens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur ce choix d'illustration? C'était un choix de l'illustratrice Claudia Amaral. Ah oui, parce que je voyais pas de laquelle vous parliez. Mais attends, elle a un bonnet phrygien? C'est comme ça qu'on l'a interprété, peut-être qu'on se trompe. Oui, Ouais, je dirais, ouais. bah, parce qu'en fait, Solitude, c'est une grande héroïne de la Révolution française.
Donc, bon, je ne me souviens plus s'il y avait un bonnet phrygien ou pas, mais en tout cas, s'il n'y en a pas, on pourrait en mettre un, et s'il y en a un, c'est très bien. Solitude, c'est une grande héroïne de la Révolution qui a lutté, voilà, à 1794-95 dans cette période mouvementée. C'est, voilà, l'incarnation de cette liberté, égalité, fraternité. Alors que, voilà, la liberté, égalité, fraternité de la France métropolitaine, c'était un peu sur le papier quand même, puisqu'ils proclamaient ça en même temps que à Saint-Domingue et ailleurs, les esclaves continuaient à trimer. Donc pour moi, ce serait logique qu'elle ait ce bonnet phrygien. Et pour moi, voilà, j'aimerais vraiment qu'elle revienne au Panthéon de la même façon que maintenant, là, tout le monde parle d'Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Solitude, bah, c'est la même chose, quoi. Elle voulait que les femmes esclavagisées soient considérées comme des citoyennes. Oui, donc de la réintégrer dans cette histoire finalement. Ouais, voilà. Et ne pas la cantonner à l'histoire de la Guadeloupe. Tout à En fait. fait, c'est Non, ça. mais du coup, c'est intéressant de t'entendre commenter son emplacement parce que ça donne en effet plus de contexte à cette démarche de la placer là dans le 17e, comme tu dis justement, de décloisonner son histoire, de décloisonner cette histoire et puis de la faire justement participer et être présente dans une diversité d'espaces et de contextes. Donc, c'était intéressant de t'entendre sur cette question-là en particulier. Alors, on arrive à 13h, enfin 13h Eastern et donc 19h en France. Donc, il est déjà un peu tard côté français. Donc, on va conclure cette conversation s'il n'y a pas d'autres interventions de notre public. En tout cas, on voulait donc remercier énormément notre invitée Paula pour nous avoir rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet honneur, pour cette discussion incroyable qui nous donne énormément à méditer. Et on espère justement pouvoir poursuivre la conversation dans d'autres formats et dans d'autres contextes à l'avenir. Donc merci beaucoup Paula et merci aussi à notre public d'être venu pour cette conversation Quoi m'envoie. Notre prochain événement aura lieu le 19 avril prochain et il sera en fait organisé par Erika qui est déjà là aujourd'hui et Nathan qui intervieweront Jean-Abel Pierre, qui nous parlera de sociologie critique de la corruption, comment Haïti est pris au piège de la pauvreté. Donc voilà pour la petite annonce promotionnelle. Allez vite acheter Solitude et 1492 Anacaona si vous n'avez pas encore ces textes-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée ou une belle soirée. Merci beaucoup.